Bella, bella macchina. La voiture extraordinaire que cette petite Fiat 500. Ah, je crois que tout a été prévu, je vais me taire. Et que bella ragazza. Maqué. Elles sont superbes. Vous êtes très bien accompagnés, monsieur. Vous voyez, finalement, on n'a pas besoin de voitures exceptionnellement chères et sophistiquées pour séduire ces dames, ce monsieur, mais c'est peut-être à cause de lui aussi. En tout cas, il nous présente cette Fiat 500, Nuova 500, bon, c'est la voiture qui, après la première 500 qu'il a fait immédiatement après la guerre, a mis l'Italie sur quatre roues. C'est une voiture extraordinairement populaire, et d'ailleurs, aujourd'hui, la Fiat 500 de nos jours, emprunte énormément des lignes et de la philosophie de cette petite voiture populaire, tout à fait remarquable. La manière d'utiliser l'espace est tout à fait exceptionnelle parce que la voiture est vraiment toute petite à l'intérieur, mais ces dames sont souples, elles sont jeunes et elles arrivent à utiliser le moindre centimètre cube. Alors centimètre cube, il n'y en a pas beaucoup dans le moteur, il n'y en a qu'à peine 500. Bon, à 90, on commence à prendre un peu toute la route, mais ce n'est pas le problème. C'est une voiture de ville, et encore une fois, qui a eu un succès absolument mondial, sauf aux États-Unis où il y a eu quelques problèmes d'homologation, parce que dans les années 50, les années 60, si on imagine un choc entre un de ces monstres américains et une petite 500, il valait mieux être dans la voiture d'Outre-Atlantique, c'est sûr. En tout cas, c'est un symbole de l'Italie que vous avez sous les yeux. Il manque plus qu'un petit rayon de soleil. Hein, là, on y serait. Mais le soleil est dans les cœurs, il est avec vous. Bravo, en tout cas, pour cette jolie présentation avec les deux mots sur votre voiture. J'ai l'histoire de la voiture. Alors, c'est une petite voiture de 71. Hein, c'est une 233F Bianca. Et elle est toute entièrement refaite à Paris, à parfait état. Dans les règles de l'art, voilà. Pourquoi vous allez la faire à Paris? Il y a des gens très bien, rien pour faire ça. Bon, merci, en tout cas c'est de la première série. C'est encore plus rare et plus désirable. Ah, vous aussi. Oui, allez-y, mesdames, vous en prie. In italien, lo facciamo insieme. Non lo so. Allora, siccome non c'è il sole, ce l'abbiamo nel cuore, abbiamo detto. Ecco, viva Italia, viva la Francia. Et viva Italia, forza Italia, forza Fiat. Merci mesdames. Très international ce concours aujourd'hui. Eh bien, bon retour à Rome, Naples ou Milan, où que vous alliez avec votre Fiat 500 1971. On l'a appelé le podia haute, je vois vraiment pas pourquoi. Merci beaucoup. Bravo, bravo.